Salut à tous, c'est Tony, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Guerrier Z. Donc depuis la dernière fois, j'ai bien augmenté les héros que j'ai, donc je vais vous montrer mon équipe toujours. Donc j'ai Kid Trunk qui est passé à 7256 de puissance. Le roi Piccolo qui est toujours là depuis le début, pareil, 6466 de puissance, mais bon en attaque il est faible, il est faiblard, 341 à peine. Krillin, 6650, 464 d'attaque, c'est un peu mieux déjà. Bon, C17, 470, mais bon, c'est un rang S, donc il deviendra bien puissant. Tenshin Han, qui est plutôt pas mal aussi, 500, 399 d'attaque, mais bon, il est du retard de niveau, mais bon, il est pas mal, ça va. Goku, qui est très très bon, 676 d'attaque, il fait mal. Il lui manque des HP par contre. Et Sporovic, Spopovic, je l'appelle dans ce jeu, mais moi je disais Sporovic, donc bon. Donc voilà, mais bon les amis, j'ai eu une petite surprise, vu que ça fait 7 jours que je me suis connecté, et là je suis très content. Je vais vous montrer ça de suite. Donc Sporovic va dégager, je vous le dis. J'ai Vegeta SS en Super Saiyan, et ça me fait plaisir. Un rang S, mon deuxième rang S. Voilà, là oui, là oui. Là, c'est de la puissance là. En plus, Vegeta, c'est mon personnage préféré. Donc, on va aller changer tout ça de suite. Sporovic, il va dégager. Il est où? Il est là. Donc, 4000, si vous retenez ce chiffre, 4635 de puissance. On le change. On met Vegeta, tac. Et là, 4445 au niveau 1. Attention. Au niveau 1, ça me fait plaisir. Donc on va faire ça. Il va falloir que je fasse de l'entraînement intensif par contre parce que je suis bloqué encore. Je vais vous montrer où. Donc déjà on va faire ça. Et puis aussi on va faire... Alors normalement, c'est dans quoi déjà? Ce qui me reste, voilà, c'est ça. Voilà, c'est là. Donc on va enlever Cymbale. Non, Karine, on va enlever, changer. Et on va mettre Sporovic à sa place. Qui a 1002 de puissance. Ça va augmenter un peu la puissance aussi, je pense. Hop. Qu'est-ce que je fais, moi? Donc ça, c'est plutôt pas mal déjà. Ça va m'augmenter quelque chose ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Si, peut-être les HP, ouais, un tout petit peu. Mais bon, 453 d'attaque d'origine avec des trucs de merde, c'est plutôt pas mal quoi. C'est plutôt pas mal. Je vais essayer quelque chose aussi. Je vais essayer quelque chose. Je vais changer Vegeta. Ah non, mais non, je pourrais pas. Je pourrais pas. Non, je vais le laisser là. Je vais le laisser là. Quoi que non, hein. Écoutez, je vais rechanger, vous allez voir ce que je vais faire. Changer, on va mettre n'importe qui, on va mettre Nam par exemple. Il monte à 3045, on s'en fout de Nam. Je vais faire ça, changer et mettre Vegeta à sa place pour voir ce que ça donne. Là oui, 6301. Ah oui, mais en fait, c'est l'emplacement qui était faible. Mais bon, là, il a pas mal d'HP. Il a pas mal d'HP. En fait, c'est ses gants de boxe qui valent pas une merde, en fait. Changer avec. Et du coup, l'équipement de Nam, il est où? Avec le bazooka. Donc voilà, 453. Et bien pourquoi j'ai pas autant d'attaques tout à l'heure en fait? Ouais, bah écoutez, on va faire ça. On va changer Nam, on va remettre le roi Piccolo derrière. Hop. Voilà, par contre, le roi Piccolo, maintenant il aura plus d'HP. Mais c'est pas grave.
Enfin voilà. Bon, au moins j'ai un bon. Je vais faire une réorganisation de l'équipe. Je vais même mettre Sangoku, je pense, à la place. Non, quoi que non, là c'est bon. Là on est pas mal. Krillin, il est pas mal aussi. Hein. Donc on va améliorer les équipements. Ça c'est quoi ça? On s'en fout. Le pot, on s'en fout aussi. Ça aussi. Ah, voilà, on va s'acheter. Ça bug, hein? Le jeu a bugué, je crois, non? Ah non, 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 voilà, j'ai reçu des trucs. Alors, on va s'acheter encore un. Je crois qu'on peut en acheter quelques-uns, en fait, jusqu'à. J'aimerais bien avoir des équipements là-haut, là. Je n'y arrive pas. Donc, on va utiliser les zénis pour pouvoir avoir essayer d'avoir ça. Ah oui, là, oui. Un cuiseur de riz, mais je sais pas à quoi ça va servir. Allez, on continue. Les armures. Du minerai. Des orbes, ça c'est pas mal pour avoir grand trunk. Voilà, c'est terminé. Donc voilà les enfants, donc on va regarder à quoi sert ce truc là, ce cuiseur de riz. Est-ce que c'est bien un item, un équipement ou pas? Équipement. Apparemment oui, ça. En plus on peut l'enchanter. Ah mais ça fait plaisir alors. Plus 91 en attaque. Donc qui sait à qui manque de l'attaque? Vegeta. Tenshinhan, il est pas terrible en attaque. Mais bon, je vais commencer à monter mes rangs S. Donc je vais tout mettre sur Vegeta en fait. Non, Vegeta a déjà un truc. Donc je vais mettre. Ah mais non, mais c'est merde, c'est pas. D'accord. Eh ben on va changer. Hein. Je pensais que c'était pour. En fait, c'est pour attaquer. 91 en attaque. Il va falloir que je l'augmente. Donc on va aller augmenter un peu tout ça. Niveau 1. Allez, ben on va augmenter ce truc. Ah oui, ça prend bien hein, d'un coup. Ça prend bien, ça prend bien. Bon, mais écoutez les amis, je vais pas vous montrer. Je vais vous montrer aussi que je suis bloqué parce que ça va prendre du temps. Sinon la vidéo va être un peu longue. Vous allez vous faire chier devant. Donc voilà, donc la dernière fois qu'on s'est vu, il me semble que j'étais bloqué par Tenshinhan, une étoile. Donc, enfin non, une étoile. J'étais bloqué là. Donc j'ai réussi à le passer, mais en faisant une étoile. Donc maintenant je suis à la saga Roi Piccolo. Et là, bon, mais je vais vous montrer un combat. Et là, je suis bloqué à la volonté de Tenshinhan. Je me fais éclater. Donc peut-être qu'avec Vegeta ça va changer, mais bon, regardez, je les ai pas entraînés encore. Ouais. Je les ai pas entraînés, j'ai pas fini d'améliorer les équipements. Donc c'est ce que je vais m'occuper de faire. Donc on va voir ensemble si j'arrive à gagner, mais bon, ça m'étonnerait. Non, en plus j'ai enlevé les attaques de ces 17. Donc je pense que le prochain qui va sauter, ça risque d'être le roi Piccolo. À moins que je débloque la sixième, la huitième place avant, ça serait cool. C'est pour ça que je vais continuer à faire les entraînements. Pour monter de niveau si j'arrive à Final Flash de Vegeta. Bah c'est pas très puissant pour l'instant. Ouais, si j'arrive à avoir le septième personnage avant, je pourrais garder mon roi Piccolo pour l'instant, on verra. Son objectif c'est d'avoir que DS hein. Donc bon
Bah, vous voyez, je me fais exploser. Hein. J'ai déjà perdu deux personnages. Ça se fait plaisir de voir ce petit Vegeta. Sangoku, il fait mal hein, quand il frappe. Hein. C'est plus serré que la dernière fois quand même. Hein. Mais bon. Voilà, ça va faire mal. Ouais, mais non, j'arriverai pas à gagner. Ça va être serré. Ça va être serré. Merde, dommage, putain, pour 11 points. Ah non, je vais perdre. Ah, Final Flash. Ça peut passer, hein. Non, je crois que je vais perdre. J'ai moins d'HP. Il me semble que je vais perdre. Je suis pas sûr, mais. Que je dise pas de bêtises. Sangoku va sauter. Ouais, non, je vais perdre. J'ai perdu. Mais je suis pas loin. Je pense qu'en améliorant les équipements et en entraînant un tout petit peu, je vais le passer tranquillement. Ouais, je pense que je vais le passer tranquillement. Bon, mais voilà les amis pour cette petite vidéo. On se retrouve à la prochaine vidéo. Je pense que je la ferai dans pour mon invocation épique. Maintenant, pour finir, on fait la petite invocation gratuite du jour encore. Eh ben, un petit Franky en plus. On s'en bat les couilles. On servira des âmes pour monter les caractéristiques de d'autres personnages. Voilà, ben, salut à tous. On se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.